Lundi dernier, en conseil municipal, le 13 novembre, nous avons porté un vœu pour une éducation vraiment universelle et contre des articles que propose le budget de l'État en ce moment même. Le premier article, l'article 53, propose que ce soit l'éducation nationale qui ait le pouvoir de notifier, ce qui mettrait dans les mains de l'éducation nationale le pouvoir de notifier le besoin des enfants en situation de handicap et de mettre à disposition les moyens dont l'éducation nationale disposerait. Or, on voit bien que non, il n'y a pas eu un enseignant devant chaque classe à la rentrée, et de plus, il n'y a jamais eu suffisamment d'AESH devant tous les enfants en situation de handicap. Pour l'année prochaine, ce qui a été voté, c'est la suppression de l'aide au périscolaire pour toutes les communes qui sont restées aux 4 jours et demi. C'est essentiel pour les enfants de bénéficier des temps périscolaires, 10 000 enfants tous les jours à Grenoble. Les temps périscolaires, c'est un repas chaud et complet, c'est une ouverture sur le monde, c'est des activités physique et artistique, c'est apprendre à vivre ensemble. Et cela, uniquement pour les communes à 4 jours et demi, est supprimé. Or, lorsqu'on sait que 5 matinées de classe, c'est bien mieux que seulement 4 pour les apprentissages. Cette suppression a été faite sans aucune concertation, que ce soit avec les collectivités locales ou les associations qui sont elles aussi concernées. Et alors que la filière animation est en grande tension et qu'au contraire, nous avons besoin de plus de moyens pour professionnaliser les métiers de l'animation, pour mieux les former et pour assurer donc un meilleur accueil pour les enfants. Alors qu'on laisse supposer dans la société que le handicap est un thème consensuel, nous avons eu une énième fois un 49-3 sur la question. Ce qui laisse à croire que non, nous ne sommes pas tous d'accord sur cette question et que oui, nous souhaitons en tout cas à Grenoble améliorer la situation des enfants en situation de handicap et pas que.